Bonjour. Aujourd'hui, quand devriez-vous utiliser du et de la? C'est très facile. Vous êtes prêts? Il y a plusieurs petites choses à savoir pour les utiliser correctement. Et si vous parlez anglais, ce sera encore plus simple. Donc, du et de la s'utilisent presque comme some en anglais. Je les utilise dans les phrases affirmatives ou interrogatives. Ils expriment une petite quantité ou une chose abstraite. Mais surtout, du est utilisé avec un nom masculin et de la avec un nom féminin. Pas de panique, voici de jolis exemples pour vous aider. Le lait est masculin, donc du lait. Je veux du lait. La viande est féminin, donc de la. Je veux de la viande. Et maintenant, une chose abstraite. Le temps, l'argent. J'ai du temps, j'ai de l'argent. J'espère que vous avez compris. N'hésitez pas à me poser vos questions. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à partager mon lien. Merci.